La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer des vidéos dont je vous recommande de regarder jusqu'à la fin. Les deux vidéos concernent l'arrivée du général Mamadi Doumbouya. Au fait, la phase cachée de la mobilisation. Vous allez voir les coulisses de la mobilisation, de ce qui s'est passé et après, on va revenir derrière pour décrypter la chose. Alors, la famille, comme vous le savez, le général Mamadi Doumbouya était en Chine pour assister à un forum là-bas et il s'est retourné hier. On a tous vu l'accueil qui a été réservé pour lui. Mais ce que vous ne savez pas, mais bon. Plupart d'entre vous le savent déjà, c'est que dans cette mobilisation, il y a eu des choses qui se sont passées. Des choses vraiment incroyables. Alors, la famille, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, comme ce que je vous ai dit au départ, la phase cachée de cette mobilisation. Alors, la famille, regardez la vidéo et on se reprend tout à l'heure. Regardez-la très très bien. Alors la famille, dans un deuxième temps aussi, on va voir la deuxième vidéo. La deuxième vidéo qui est aussi accablante parce que ça, c'est une preuve. C'est une preuve et vous allez voir et vous allez aussi écouter ce que les gens sont en train de dire. Alors, voici la deuxième vidéo. Malheureusement, les copies sont finies. Les copies sont finies. Maintenant, les deux notes à part. 40 000, moi aussi, j'ai 40 000. Donc, on va aller, on va les accueillir. Comme c'est ce qu'ils veulent. Comprends-moi, on mange, on laisse. Parce que le pouvoir, on s'en fout. Vous savez, là où tu as dit ça, je ne vais pas dire pas réussir. Alors la famille, vous avez écouté la vidéo, vous avez écouté les deux vidéos. D'abord, je vais commencer la dernière vidéo, parce que je pense elle est plus importante, parce que là, on voit déjà ce qui est en train de se passer. Au fait, le gars, il a parlé en français, vous avez déjà compris, mais je vais juste essayer encore d'expliquer à ma manière. Au fait, dans cette mobilisation, les gens, en tout cas,
les hauts cadres dans cette administration, parce que c'est pas des citoyens lambda quand même qui ont acheté ces t-shirts ou bien qui ont donné l'argent à distribuer aux gens. Ce sont des personnes bien placées, en tout cas dans la gouvernance actuelle. Alors, ils ont imprimé des t-shirts qu'ils ont distribués aux gens. Quand on te donne un t-shirt, on te donne 40 000, parce que d'autres même disent 50 000. D'autres ont reçu 50 000 et des casquettes. On te donne les trois choses, à savoir une casquette, un t-shirt et 40 000, et d'autres même 50 000. Vous avez écouté le monsieur dans la vidéo, il dit clairement, au fait, comme c'est ça, ils veulent qu'on l'accueille, on va l'accueillir et on va manger l'argent. Vous avez bien entendu la vidéo. Il dit on va l'accueillir parce que c'est ça, ils veulent. Et le gars, il va très loin. Il dit, parce que lui, il pense, Doumbouya pense que là où Dadis a échoué, lui, peut-être il pourra réussir. C'est ça, il pense. Alors, la deuxième vidéo, le monsieur, lui, il a réussi les trois choses. La casquette, 50 000 et le t-shirt. Il dit clairement qu'il ne va pas. En fait, c'est la différence entre les deux vidéos. Les autres, ils vont partir. Ils vont partir et ils sont clairs. Comme c'est ça, Doumbouya veut, on les a payés pour aller l'accueillir. Ils vont partir l'accueillir. Mais de toutes les façons, eux, ils ont déjà leur position. Ils ont déjà leur position. Mais comme ils sont dans le besoin et que c'est l'argent du pays, ils vont bouffer et aller l'accueillir. Mais s'ils pensent que Doumbouya, là où Dadis a échoué, s'il pense que lui, il va réussir, en tout cas, le gars même, il se pose la question, peut-être lui, il va réussir. Mais comme c'est ça, ils veulent, on va le faire. Mais l'autre gars, par contre, lui, il a reçu tous ces trois trucs, mais il a refusé d'aller. Il dit parce que tout le monde voit l'état où on se trouve actuellement en Guinée. Il y a le chômage. Les jeunes diplômés ne travaillent pas. Il a même montré des mototaxis. Il dit, voilà, au fait, tous les gens qui conduisent ces mototaxis, ce sont des diplômés, ce sont des jeunes diplômés, mais comme ils n'ont pas de travail, ils sont obligés de faire le taxi moto. Alors, la famille, je pense, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Parce que hier, vous avez vu peut-être une vidéo et nos confrères du Reflet Guinée, ils ont au fait pris une image des soutiens, au fait des soutiens de Bakary Keïta. Bakary Keïta, il était l'ancien responsable des jeunes de l'UFDG. Il vient juste d'être limogé la semaine dernière. Vous avez vu la mobilisation que lui aussi avait faite pour accueillir le général Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui vient juste d'être limogé de l'administration. La fille, elle parle. En fait, la fille, elle dit même que Bakary a mobilisé plus de 4 000 personnes. Ce que je ne crois pas du tout. Ce qui veut dire la Guinée. On est mal barré. Parce que quelqu'un qui vient d'être limogé de l'administration, il prend l'argent public parce qu'il ne peut pas nous dire que c'est son argent. Sûrement, c'est l'argent peut-être qu'il a volé là-bas, qu'il est en train de distribuer comme ça aux gens. Aux gens. Mais ce que moi, je ne comprends pas, on a tous vu. Ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya seulement qui est allé en Chine pour participer à ce forum.
Tous les trois putschistes des autres pays ont assisté aussi à ces forums. Prenons exemple de Assimi Goïta du Mali. Il a assisté, mais personne n'a entendu de bruit concernant son retour. Mais pourquoi le Guinéen, nous, on aime la démagogie. Pourquoi? Pourquoi on aime la démagogie? Même si beaucoup de personnes qui ont participé à cet accueil du général ne sont pas pour lui. Ils étaient là-bas juste pour avoir des t-shirts, des casquettes et les 50 000 qu'on a donné aux gens. Beaucoup sont allés pour l'argent là. Alors, dans cette dernière partie de notre vidéo, je vais expliquer ça un peu en sous-sous. Je vais expliquer ça un peu en sous-sous concernant nos dirigeants. Alors, ben, comme si la Guinée, on m'a mangé et on fait une décompromis. Nous t'en bande qui n'ont pas compris ici. On m'a mangé et on fait une décompromis. Étant, mais rien n'est mini. Et nous m'y à te rambi, et t'en bé, à birin nebé. Et t'en bé, et nous m'a fait birin nabadi, mais retiens affaire. Mais, nous fait, nous m'a bébé, et t'en madaroma. Parce que nous fala, et t'en madaroma. Et colo, fait bébé badang ya rorbi. Et voilà, mi bébé, t'en mange bébé badang ya rorbi. Lansa na konti ba dangi e ba noto. Ba ina folo ma lansa na konti nama. E tadi sina gafa. Militaire nana nafan nafan. E ba nafan to. Sende pa nafa. Alfa konti nafa. Nafan nga mangi e noto rone. Jimi kere nye. Ye na minima. Elu mangi. Si portira ule fari. Jimi kere nye. Dimi kirenye na mange pousse ma. Hayi, intention fanyi nabe. Dim la Guinée, mirinde, etana mange pousse ma. Han mange so erreur. Men etan mange ni ge so di erreur a feu. Egbile me irambi menine. Etana ma fala ma kartye. Kongwanyi la, ina, ah, moutan woye nabe. Moun febili fala ma nabe, mama tulu mati mamoura. Et pourtant, et nabe, et anan na falama, ah, ino marabade, ino mi yomu nombe matandide, population nebe, aso ramineri, mais etan mange ata kolon ine yate kan na madarofi, mi biri mou nebe. Parce que fin mi yora, hay, election nan fari ikanyira, biri mou nombe loudebe, parce que imatouma jamais, hay, pays, dictature na pays denare, allo, Paul Kagameron, imatouma jamais, mange gagne élection à 100%. Il s'agit de voter à Tanambe. Non, moura bama borio, hay dictature na borona rebira moura bama. Alon tan na falamane, mange yati tane yate kama da rufi. Allo, on di video na mato ya kos, di video, di ramedi rai video. Abara fala clairement. Ana mama di, moutan, mouyiti sorti somane, moukobit tarum, ana bourbe nkouira 40 000 naya. Il y a 40 000 naya. Comme Mamadi wa mané mouhara lan. Ah, moussi ga mané mounara lan. Kon atambe. Ah, dadis échoué den nare. Atan, geni mameni. Au fait, atan, réussi mameni. Mouta eto wa mané nan gomana ki mouhase edal lan. Moussi ga mané mouhase edal lan. Problème yo mouna. Boule fan nara, nota fela sosoro yatine. Anara, ah, Ntambara ma 50 000 tongo, anou ma t-shirt, anou ma casquette. Konanto mousika ma mire la lande. Ba y bidin, bo gira situation to. Mire, sonja ki nare. Anara mire nan na beyi ki. Jene nare diplomere, mouna wali fi. Mouta nga nan benye mwasa etan na lande. Ngi t-shirt tongo mane, nan ma 50 000 tongo, nsiga gabun to ronyi.
Arasa plandi do mene no kwabira. Kona musikama mamadira landi. A tundi. A musikama. Paske tore na bori malo nansi. Ma no kwabito mwane bai bini nga kwabira nara. Bori ga kwabira nara. A tungo mana asa adung. Kona musikama. Efe na kan falaka abamara bama. Ma mam fata nkwabito dung. A fatara. Alors. Nta falama mange nambe. Ira rarili soto. Koro mirindi nabe. Sembenira yati yati. Kono tuto. Ni nyangili yati mufalafi. Mere jamba ne mwe gilira. E putango. Oh, enabi. Mi bebe na mamadi rambi ileri. E bebe na tanangambi. Alfa Konde modeli. E kasuri. Damarui. Ni enabi koro. Sembenira. Me tuto. Tuto. Mirena fala mebe oso majiler ne osadi okil majiler ne ina na bama liberty yomu nebe bay goro etanan nabe alors otan fan na re na men nito ofan nga comprend ofan normal du de tinan allo ne o ra situation normal du de tinan allo ne ra situation na kinare nonara in mangi asoto fe fanyira ba i rili fanyi du Isiga. Non a nyema. Im problème yo sotoma. Kon re mangia raba. Wule kwi. Ina mangia kani. Magu ya kwi. Walai. Nofye ira trape mane. Tina. Nofye ira trape mane. Alontan nan falma general pe. Yandi anakatul mati mireira. Yandi anakatul mati mireira. Di kadre nere bili mire malang koro. Ina ka mire malang, mire dunia malang. Ba mi dunia siga ne general la nande. Kona ra kolong, ne mona tanga memende. Ne ne ha ina mameni. Ne e siga mamadira lande e ha ina made. Ba itanki, mamadi do kibanyi. E tamfe ne dege fi, e ra fami e profite fi. Me wuntan population donkoy. Isa le wuntan na sonja. Mamadi manga kolong de tinan. Fe ni bira. A keren nan problem sotoma. Etando makanyi. E kenan keren problem sotoma. Di, sivile ne rebili ne fokora toto yiki. Ne rebili ne dege fe. Ne rebili na mounya mati fe. E na garanti la ba fe. E rami rebe. Tinan sese mwe toma. Sese mwe toma. E bilin toromane. E man lu. Mamadi mangli man kanaraman. Mangebete man. E man mangebete man vize. Non fatun. E bilin sigaman non fokora lo toroye. Anan gade, imam bini sika fokora. Example, keren na ya, mamadi la akana gang komprang, akana gang sensi, akat so, asende yatira, a force birina. Dadi sera tam, dadi sena nato, fo, fama, ofet fama biri, nangan nagoro, et bien la popularité. Dadi signa falama, dadi si était populaire. Ora toto. Dadi situation yomona. Ana geli. Tulu korokoyama. Ana geli. Mine bin na pouze fe koro. Et bien to libéré. Et bien, mais yomo problème soto. Et bien to ina libre. Et ne ra famille na yirekene. Dadi stoto abar separana ga fami ana geli. Alors général wallahi conseil na ya arame etongo ba itulumati fi gimrene rene setima inara attenti si kafere ise présenter élection inanga attenti aranyon amufama ibe aranyon ki amura fami amufama mebe fi. Alors, c'était le message que je voulais passer, en tout cas, au général Mamadi Doumbouya. Je l'invite à l'écouter, parce que les gens qui sont là en train de mobiliser ne sont pas là à mobiliser pour le général Mamadi Doumbouya. Ils sont là à mobiliser pour leur propre intérêt, parce que tant que le général Mamadi Doumbouya, il est au pouvoir.
et ils sont en train de s'enrichir avec leur famille, au détriment de nous, les autres citoyens. Sinon, quelqu'un qui a été limogé, Bakary Keïta, qui a été limogé tout dernièrement, ça fait même pas une semaine, comment lui peut mobiliser, selon ses partisans, 4 000 personnes pour accueillir le général Mamadi Doumbouya? Où il a enlevé l'argent là? Pour faire les t-shirts même, où il a enlevé l'argent? Et on avait même vu hier un décret qui vient de le remplacer. Guillaume Awing vient de le remplacer. Mais où lui, il a enlevé l'argent là pour faire une telle mobilisation pour le retour du général Mamadi Doumbouya? Alors le général doit faire beaucoup attention. Sinon, quelqu'un qui est limogé, il a quel intérêt pour mobiliser pour le général? Si encore il ne veut pas profiter, déjà il a profité, il veut encore profiter. Alors, s'il vous plaît, ne tentez pas. Parce que la finalité de ça ne serait pas bon. Ça ne serait pas bon. Alors, c'est ça aujourd'hui la famille. Partagez la vidéo. On se reprend encore pour d'autres vidéos pour décrypter l'actualité, soit nationale ou internationale.